L'Institution nationale des jeunes sourds de Paris s'installe rue Saint-Jacques en 1794. À l'occasion de ce bicentenaire, l'exposition « Accords et Accris » a voulu interroger l'histoire riche en rebondissements de l'écolier sourd. Interroger cette histoire, c'est découvrir que le corps de l'écolier sourd a été placé au cœur d'une véritable stratégie éducative. Cette stratégie visait à corriger les difformités multiples, pathologies physiques, réelles ou imaginaires, et autres perversions morales dont la personne sourde avait été affublée. Interroger cette histoire, c'est aussi prendre en compte les cris de révolte ou d'espoir apparus dans la communauté sourde pour l'affirmation de son identité. C'est ce à quoi s'attache l'exposition « Accords et Accris ». Avec un dévouement inlassable, les professeurs apprennent à ces enfants non seulement à lire sur les lèvres, mais aussi à articuler et à parler. Dans ces classes de démutisation, c'est un plaisir de voir ces jeunes élèves suivre avec une attention extrême les enseignements de leur maîtresse. Les plus grands font leurs études comme leurs camarades normaux, en suivant les cours sur les lèvres du professeur. La joie de vivre et la volonté qui se lient sur les visages de ces enfants est la récompense des efforts de ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour ces jeunes sourds et qui n'auraient jamais eu d'aussi merveilleux résultats sans cette qualité qui les anime tous, l'amour du prochain. Est-ce que vous avez gardé un bon souvenir de la discipline à Saint-Jacques? Dans la cour, vous aviez le droit de signer? Et en classe, non? Et si on signait quand même en classe, que se passait-il? À Saint-Jacques, pendant les cours, les professeurs vous parlaient en oralisant? Donc la langue des signes était interdite dans l'enseignement, à savoir les enseignants et les élèves donc n'avaient pas le droit d'utiliser la langue des signes dans les cours. Alors cette situation, elle était interdite également à l'extérieur des cours, dans une période qui a suivi donc le congrès de Milan, à savoir 1880, jusque dans les années 1910-1920. Puis après, de nouveau et progressivement, donc cette modalité s'est assouplie. Ici à l'Institut, il y a d'autres écoles qui, encore aujourd'hui, interdisent l'utilisation de la langue des signes. Une gymnastique spéciale, basée sur des exercices de souffle, est alors mise au point pour favoriser la parole. Cette gymnastique, ainsi que les leçons d'articulation, laisseront des souvenirs impérissables aux enfants.
L'un d'eux affirme dans un texte de 1886 « Les professeurs infusaient leur haleine dans notre bouche et tenaillaient notre langue avec leurs doigts. Nous respirions à plein nez cet air vicié, et cela avec beaucoup de répugnance. » Alors qu'ailleurs, en 1901, on parle de l'héroïsme du maître qui reçoit des jets de salive en pleine figure. Observez donc, c'est que là, il y a des, au-dessus, il y a quelques élèves qui ont des fusils en bois. Et donc, les élèves se déplacent au rythme du tambour. Moi, la première fois que j'ai vu, je ne comprenais pas du tout. C'est vrai que c'est une vibration. Donc, l'organisation un petit peu donc, de l'école de Saint-Jacques. C'était aussi des grands dortoirs, où donc là, tous les élèves, le matin, devaient faire leur lit. Ranger leurs affaires. Nettoyer par terre. La conception de ces grands dortoirs, sans intimité possible, reflète la hantise de la sexualité qui caractérise le XIXe siècle. Partout, l'ordre doit régner, et plus particulièrement dans les institutions d'enfants sourds. À Saint-Jacques, la discipline est un souci majeur des administrateurs. Rien n'est laissé au hasard, ni dans l'organisation de l'espace, ni dans l'occupation du temps, censé doter les élèves d'une solide moralité. Pour développer l'esprit de corps, ils sont organisés en compagnies militaires, chaque classe ayant son sergent et chaque section de classe son caporal. Tous portent un uniforme obligatoire. L'hygiène devient une préoccupation importante. Les administrateurs de Saint-Jacques créent en 1887 une des premières piscines dans un établissement français d'enseignement. Tous les 15 jours, les élèves prennent un bain et sont toisés. Chaque mois, ils sont pesés. Cette utilisation de l'eau s'apparente au rite de régénération et de renaissance. L'eau dissout les impuretés, réduit les déformations. La gymnastique, elle, est introduite au sein de l'institution dès 1818. Elle sera perfectionnée par les gymnasiarques tels le colonel Amoros ou Napoléon l'aîné. Elle cherchera alors à fortifier les corps, mais aussi à raffermir l'éducation morale et à renforcer l'éducation de la parole en développant les capacités respiratoires des jeunes sourds. À partir de 1880, cet objectif sera prioritaire. Ce n'est qu'à partir de 1948 que les exercices respiratoires perdront de l'importance. Au début du XXe siècle, opposé aux objectifs et aux pratiques de l'instruction physique en usage à Saint-Jacques, des précurseurs tentent d'intégrer les élèves au mouvement sportif naissant. Le premier club sportif sourd est créé en 1911. La Fédération sportive des sourds de France en 1919. Les premiers Jeux mondiaux silencieux sont organisés à Paris en 1924.
c'était un élément, me semble-t-il, essentiel de l'identité sourde au début du siècle. À savoir que beaucoup de sourds se sont organisés autour de ce type d'association et ces associations étaient particulièrement revendicatives par rapport donc au monde entendant, à savoir donc le fait de concourir avec des entendants et éventuellement de pouvoir gagner certaines courses a été, me semble-t-il, donc un moment très très important pour l'affirmation de ces identités.